Attends. Merde. Qu'est-ce que t'as fait? Non, rien. Si, bah si, t'as fait un truc. Tu m'as tué. Tu m'as volé un truc. Non, non. J'avais un peu arraché la portière de la voiture, mais je l'ai remise. Quoi? Je suis un mécanicien du quartier. C'est pas possible. Si. J'ai arraché la portière, mais je l'ai remise, les gars. Vas-y, prends ma portière, s'il te plaît. J'ai chaud. Voilà. Oh, hop. On va l'alléger. Mais attends, attendez, on pourra aller plus vite et sortir plus vite si ouais. On a pas de portière. Mais viens, on l'étège. C'est quand même beaucoup plus intelligent. C'est qui lui? Y'a un mec qui démarre. On s'est fait carjacker. Oh, allô, je sais pas qui c'est. Bonjour, vous êtes en train de nous carjacker? Y'a quelqu'un? Si vous retiriez ce masque à gaz, on vous entendrait mieux a priori. Hein. Bon, bah on verra. Vous nous emmenez. Bon, vraiment, monsieur, comment, très vite. Vous avez passé la cinquième. Monsieur, je n'ai pas de portière et pas de ceinture. Monsieur, j'ai oublié de fermer ma portière. Est-ce que vous pourriez vous arrêter? Vous pouvez vous rabattre sur le bas-côté, monsieur. Il va faire une pause à station essence. S'arrête pour l'essence, là? Quoi, c'est ma portière qui vous dérange? Si c'est que ça, on va l'enlever. On est de retour sur DayZ. C'est le DayZ standalone. Et on est en train de jouer à une version modée par une équipe de 8 personnes, dont 3 français, où ils sont en train de réimplanter un peu tout ce qu'il y avait, non seulement dans l'ancien DayZ mode Arma 2, mais aussi des nouveautés qui sont vachement cool. Donc techniquement, il y a une explosion qui vient d'avoir lieu à côté de moi. Ça aurait été bien que ça explose au moment où tu dis, donc c'est super. voilà, plein de belles choses avec ce mode. Techniquement, ça va être bien. Voilà, c'est DayZ Expansion, ils ont invité sur leur serveur, donc c'est gentil. Okay, bah merci aux gars, parce que là c'est... Ah, vous voyez, par exemple, il fait jour, là, d'un coup, voilà. Alors là, par contre, j'ai plus... On est bien sur un serveur test, là. Alors là, il y a un peu de brouillard qui s'est levé d'un coup. Who is changing weather, please? For fuck's sake! Sans transition, ce soir, les changements climatiques drastiques, hein, on passe d'un soleil d'été à un gros brouillard d'hiver. D'ailleurs, on est trois là. Tu bouges là? Moi je bouge. Qui... Ok, et ça, c'est peut-être gros ton. Attends, je vais mesurer son pouls. Ouais, prenons son pouls. Pouls rapide. Si c'est gros ton. Nerveux devant le stream. Ah oui, ça doit être gros ton. Ouais. C'est gros ton qui fait un choc et qui s'en va. C'est forcément lui. Ce gros ton, c'est la personne à qui appartient le serveur et qui aide les modeurs sur cette phase de stress test. Oh, qui est là? Can you hear me? Yeah, yeah. C'est quoi la touche? What's your name? My name is Nairis. Are you French? Are you French? Because I love your accent. Oui, voilà, c'est pour ça que j'avais posé la question. C'est gênant. Je sentais qu'il y avait un malaise entre vous deux avec votre accent là. T'aurais pas, alors je sais que je vais un peu vite dans la relation, mais t'aurais pas un truc à boire? Et un truc à manger? Parce qu'en fait, on a un peu la gorge très très sèche là. Bah, c'est à manger, mais ça te donnera un peu à boire. Ah, ça donne la chiasse aussi, non? Parce que je connais ce genre de fruits. Il nous a donné quelque chose là ou pas? Oui, il la mange devant nous. Non, non, il a donné une prune que je vais manger. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir, hein, c'est cool. Est-ce que tu aurais une autre prune? Tu saurais pas où il y a un puits par ici, par ailleurs. Vous avez une fontaine dans le coin. Ah, ça m'arrangerait grave. En vrai, je pourrais très bien boire dans cet étang, mais une chiasse, bah, qu'est-ce que tu c'est? Tu vas tomber malade et tu vas un peu vomir, mais Ok. Ça t'évitera de mourir. J'entends un véhicule, là. Derrière nous, il y a une voiture. Oh, je continue à boire cette eau dégueulasse. On arrive. Ah, il venait pas nous chercher, c'est nous. C'est pas nous. Il venait chercher son pote. Fais monter. Attendez, je suis en train de vomir. Ah, mais c'est déjà plein, il y a du monde. Oh, vous êtes combien là-dedans? Bon, bah, à bientôt, les gars. Salut. Allez, à toutes. Oh non, attends, je sors. Oh non, je me suis blessé, gravement. Ah, toi aussi, tu marches comme moi? Ouais, je pense qu'on va juste crever. Ah non. C'est des bonnes idées, tout ça, la stamina, la faim, la soif. Les maladies. Ça, c'est toujours des très bonnes idées. Ouais. J'adore. C'est vrai, je me dis, ouais, le jeu, on s'amuse trop dessus, vous voulez pas mettre des trucs un peu chiants? La hache. Quelle hache? Oh non, tu t'es fait bait par le chat de manière autonome. Je crois qu'ils ont fait une blague. C'est en référence en plus à la hache dans l'épisode où tu te l'as chercher. La hache. Quoi? Il y avait une hache? Où ça? Ah, c'est une blague. Ah, fils de pute. Oh, y'a. Putain, mais genre, déjà, je suis en train de vomir et en plus, il y a des connards qui me spamment la hache. Oui, maintenant, ils ont leur libre arbitre, hein, ils peuvent faire des pranks tout seuls. Vous avez zéro race en vrai. De toute façon, je suis trop loin maintenant, et vu l'allure à laquelle je vais. Trop loin de quoi? De la prétendue hache. Ouais, tu sais, faut que je trouve une réponse parce que sinon, ils vont continuer. Ah, bonsoir. T'as pas besoin d'un petit peu d'aide? Bah, je me sens pas très bien. Ça dépend comment tu peux m'aider, mais. T'as besoin de quoi? T'as soif? T'as faim? Là, c'est surtout soif. J'ai surtout soif. Après, j'ai un petit mal au bide, mais ça, c'est pas très grave. J'ai l'habitude. Tu vas essayer de me suivre comme tu peux, ok? On va aller chercher un truc pour toi. Ok, il est gentil ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je vais le suivre, il va m'aider. Il va t'aider à quoi? Bah, je lui ai dit que j'avais très soif, il va m'aider. Je sais pas ce qu'il fait.
Il va se mettre dans un coin, il va me pisser dans la bouche là. Faut survivre mon gars. Ton eau elle est de très 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 basse. Elle est très basse et ma santé également. Ah, bonjour. Je crois qu'il est pas très gentil. Attention derrière vous quand même hein. Voilà connard. Ça c'est bien ça, il était en train de me faire des fuck et juste derrière lui il y a une voiture qui arrive à fond. Alors il a pas à boire mais il a des très très belles chaussures. Ah, moi j'ai trouvé une grosse canette de coca. Une jupe. Mais ouais mais direct. Je sais, des vêtements un peu bizarres. Il vous reste du vernis? Ok messieurs, je suis prêt. Toujours en mauvaise santé mais vivant. Besoin d'eau? Oh oui. Tenez, une bonne tranche de fromage. Ah pour voilà. Vous, c'est vous déshydrater, désaltérer avec voilà. Du fromage c'est ça? Le gars je dis que j'ai soif, il me donne du fromage. Bah merci. Mais qu'est-ce que je fais avec un groupe électrogène? Demande-leur si c'est utile un groupe électrogène. D'ailleurs j'avais une question. Quoi? Oh c'est trop drôle. Alors j'ai dit j'ai une question et là ça marque you are dead. J'ai même pas eu le temps de finir. Oh derrière toi. Oh vite un coup de portière attends. Oh c'est que non mais non je... Moi j'ai pas d'arme là. Allons-y. Les phares. On dirait un enfant qui fait joujou avec une voiture et qui la démarre pas. Vous ne savez peut-être pas mais j'ai un point commun avec Link, c'est qu'on a tous les deux pas notre permis. Yeah. Vas-y je me mets dans le type d'un mec qui a déjà conduit. Et du coup faut que tu passes les vitesses là. Ouais. Ça va être trop dur. Ouais j'ai peur. Oh putain. Je te préviens, un seul accident on change de place. Allez tu vas passer de vitesse là encore hein, allez. J'en ai plus. Tu n'as plus de vitesse. Je suis à fond. C'est le mec qu'on dirait du liquide. Oh j'ai fini toutes les vitesses, y'en a plus. T'as combien là? T'es à 100? Je suis à 110. À 110. C'est pas mal ouais. Ah si t'appuies sur shift t'as un boost. Wow. 120. C'est le cas ou pas? Oui. Ok. Oh oui putain tu l'as. Ok. Ah bah voilà là, ça va plus vite. Objectif 150. 150 en ville. Il a même pas fait l'effort de tourner dans le virage ou quoi, il a juste fait tout droit. Pourquoi t'es très lent comme ça? Putain attends, je sais pas ce que je fais avec ma voiture. Patine, là. Je suis en sous régime. La première. Il va y avoir un problème avec l'arbre là. Oui voilà, il y a un petit trou là. Non. Ah non, t'es au point mort là. T'as ferme hein. Le moniteur. Putain, je le savais. C'est tellement que j'ai pas de pédale à côté hein. Parce que, j'ai l'impression d'être un élève stressé là. Vous avez vérifié votre rétro? Oh, ça va pas du tout là. Mais prends le volant, si tu laisses mamie conduire 2 heures, on n'est pas rendu. Eh, c'est compliqué les vitesses hein, on n'a pas le permis nous. J'aimerais bien qu'il fasse jour quand même. J'aimerais bien qu'il fasse jour. Quand même. Ce serait trop bien qu'il fasse. Ce serait marrant qu'il fasse jour d'un coup. Qu'on voit mieux. Ah. Ah bah alors ça, pour une surprise. Le jour se lève. Quelle chance. Eh si ce serait pas l'hôpital ça. Mais c'est marrant parce que je ne trouve rien. Moi des petits trucs mais c'est essentiellement médical du coup. Uniforme d'infirmière. Oh là, je crois que pour le délire, on va... on va complètement... l'enfiler. Voilà. Toi déguisé en infirmière, moi en pompier, ça sent le sexe. Oh là là, fou, les falfilles. Wow, c'est chaud aussi. Oh, c'est tellement chaud. Ah, après, ne vous étonnez pas qu'on écrive des falfilles. Vous cherchez grave. Au fond, on sait que vous les lisez en secret. Hélico, il patrouille. Fais attention. Et ça patrouille hein. Ils nous cherchent. Bah c'est possible, je me demande si c'est un par rapport avec nous mais... Ils sont deux, c'est au-dessus de nous, ils se posent sur toi. Ils se posent sur toi, qu'est-ce qui se passe? Putain mais cassez-vous là, oh. Oh, qu'est-ce qu'ils veulent nous poser des questions non? Ils parlent de parachute. Cut the helicopter please, I can't hear you. Et moi j'ai une arme, faut commencer à tirer sur des gens. Non mais attends, ils veulent dialoguer. Ouais ils veulent dialoguer, moi aussi je veux dialoguer. En fait pour l'instant ils parlent à quelqu'un d'autre donc on peut y aller. Tiens on retourne dans la voiture. Voilà. Tiens t'es mal l'hélico. Attends. Vas-y go. Maintenant. On est sous le porche là, il nous voit pas. Go. Il y a l'hélico là. Il démarre. Il y a un autre hélico. On peut le prendre. On va se crasher je pense. Mais il est là, devant moi là. Oh putain. Il y a des clés. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye? Bah oui. On va les carjacker. Ils vont paniquer. Oh mon dieu. Faut qu'on démarre vite parce qu'ils vont paniquer. Oh putain. Oui. Oh là, je sais pas comment on conduit cette merde. C'est bon, tu te débrouilles très bien. On les a carjaqués. Ah non, arrête. Comment je shift? Voilà, shift. Voilà. Comment je tourne? Attends. Comment j'avance? Quand j'avance, ça te fais pas un looping. Ok, tu peux me guider vers la base militaire. Il y a le hangar à droite, les tentes derrière. Ah oui, la boule. Ah oui, c'est là. Là ok, on est arrivé, là. Putain, faut me poser, mec, il faut que j'aille dans un champ. Oh, il y a un autre hélico en dessous de nous. Il y a un autre hélico. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh là, il y a des lignes électriques. Oh là. Pas trop vite. Oh là. Voilà, parfait. Oh putain, t'es bien. Oh non, ils sont écrasés. Ils vont dans les forêts. Ok, ne fais pas comme eux. Alors là, mec, si j'y arrive. Eh, je crois que tu vas y arriver là. T'es pas mal stable. T'avances un peu, comme ça. C'est comme dans du beurre. Voilà, c'est beurré, comme une belle brioche. Oui. On applaudit. C'est bon, t'es posé. Oh putain. Oh la vache, j'ai réussi.
ça s'est bien passé. On va voir là-bas. Ouais, il y a peut-être des cadavres là. Imagine, ils sont pas morts, ils nous attendent. Ah bah, quand même, avec une sacrée explosion, ils devraient être morts. Oh mon dieu, j'avais pas vu que... Ah, ils sont là! Attends, tu vois le mec accroupi? Oh oui, je le vois! Y'a rien dans le Little Bird, et dans son cadavre, on peut pas savoir. Son Little Bird, il a pris cher. Bon bah, on va faire les tentes. Rien dans le Little Bird, vraiment? Non. Par contre, si tu veux, je peux le prendre son moteur. Pour être sûr qu'il démarre pas, là. Damien, je viens de trouver une roquette. Alors, il est là, le lance-roquette, du coup? Il est pas loin? Putain, si tu trouves le lance-roquette, mec... Ah, ce serait quand même pas mal, hein. Parce qu'il y en a pas mal des hélicos qui tournent. Moi, je suis pas contre un petit essai, hein. Mec, il nous faut le rocket launcher. Mais on peut pas partir. J'en ai deux là, ce serait trop dommage. Ça prend tant de place, mais je veux pas un cadenas pour fermer les portes d'une palissade en bois. Il nous faut un prisonnier. C'est juste pour fermer une porte, je suis désolé. Putain. Ouais, je sais. Toujours là pour briser les rêves des jeunes. Apparemment, les fusils à pompe sont ultra OP. Hein. Ah ouais? Ouais. Je vais peut-être remplacer mon AOP. Oui. J'ai pas le souvenir d'un supermarché Starry Sobor. C'est un film avec Lady Gaga, ça? Starry Sobor? Oui, c'est un peu... Ouais, mais c'est bon, je l'ai, tu vois. Enfin, à la limite... A ah, c'est quoi ça? Un bâton de mastic époxy permet de réparer facilement les surfaces dures. Oh, un supermarché. On va peut-être trouver plein de bouffe. Oh oui, trouve-moi des canettes et tout, et des conserves, du saucisson, là. Oh putain, un saucisson à l'ail. Oh, trouve-moi des blinis, trouve-moi des blinis. Oh, ça sent bon, la bouffe, là. C'est insupportable. C'est insupportable. Ça sent bon, très bon. C'est insupportable, putain. Oh. Mets du sel sur ta bite. Quand j'ai faim, je mets du sel sur ma bite et je la suce. Ça fait un truc à l'apéro. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Hélico. C'est toi? Oui, est-ce que je peux arriver à me poser sur le toit de l'hôpital? Non, pas possible. Il est où ce putain d'hôpital? Pourquoi je le vois pas? C'est incroyable. Ah non, mais il y a un autre hélico, c'est pas moi ça par contre. Ah oui, par contre, vous êtes deux, vous faites une danse. Hein. Je trouve pas l'hôpital où t'es. C'est, ça se verrait un grand hôpital quand même. Le petit bâtiment bleu, c'est ça? Ah oui, c'en est un. Il y a des ambulances. Ok, écoute Toto, je vais te poser dans le champ d'à côté si je peux. Ok. Faut déjà savoir que c'est le pire hôpital de la région. Hein. Mais il va arrêter ce con d'hélico? Ça a bugué. J'étais à l'intérieur et j'ai entendu un gros bruit. J'ai coupé le moteur et l'hélico a commencé à glisser en arrière. Gronton, si tu peux me TP où il y a rien, ce serait parfait. C'est toi là? Non, bah non, je suis pas là. Là, ah, c'est moi maintenant. Attends, parce qu'il y a un mec. C'est qui lui? Sois menaçant, mais ne tape pas. Ouais, on va vous demander de circuler quand même, on est un peu occupé. Pourquoi il a fait apparaître un hélicoptère? Putain, je crois, Terracide, que t'as pas explosé. C'est Groton? Attends, mais ce serait pas Groton. Mais oui, c'est moi, tu crois que c'est qui? Il saute sur moi, essaye de récupérer ton stuff. Il m'a engueulé! Je retourne à mon hôpital, il m'a vexé. C'est bon, j'ai mon stuff, ça a marché sa technique. Mais non, excellent. Et en plus, t'es plus malade. Groton! Ne plus de GG pour Groton dans le chat. Ouais, mais il m'a engueulé cet enfoiré. Bah, il a eu raison, t'as vu ce que t'as fait. Je le déteste. Ouais, bah, j'ai un défibrillateur, crois-moi que je vais le garder pour moi. Ah non, t'as rien fait. J'ai absolument rien. Oups. Vas-y, reviens à l'hélico, on va aller où? Tu viens? J'ai peur de décoller, ouais, sans toi. Vas-y, j'arrive. Oh là, non, Ça se redécale. C'est un arbre. Voilà. Putain, j'ai vraiment eu de la chance là, mais ça se redécale, cet hélico de con. Je touche à rien, il bouge. Faut que j'aille vraiment sur un gros terrain vague. Et je vais me mettre au sol, mais sans couper le moteur, parce que c'est quand je vais couper le moteur tout à l'heure, c'est ça qui va tuer. Oh putain, éloigne-toi les arbres. Mais je saute. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je me suis évanoui. Attends, t'es où? Je te vois même plus. Je suis au sol. Attends, j'ai noir. Je suis mort ou pas? Ah, j'ai pas de pile dans ma lampe. Attends, je te cherche là. Ah, c'est bon, attends, je me suis réveillé. Attends, mais notre hélico, il s'en va, il est là-bas. C'est pas possible. Je sais pas où il s'en va, mais il s'en va. On a pas entendu d'explosion, juste il est parti. Excuse-moi de te déranger, Groton, si tu m'entends. Est-ce que tu peux nous remettre un hélicoptère, s'il te plaît? Mais cette fois-ci, c'est Link qui va le contrôler. Oh mec, non mais t'es un ouf, je sais pas faire ça. En fait, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le contrôler. Tu vas faire un petit tour de la ville, mais je vais pas monter avec toi. Mais non, mais t'es un ouf, t'as essayé deux fois, t'as pas réussi, je vais me niquer. Putain. Contacte Groton sur Discord pour lui demander s'il peut nous donner un hélico. Terracide. À baiser l'hélico. Il va t'engueuler, il va te défoncer. Ouais, vous voulez voir un autre hélico que vous n'avez pas vu encore? Ah bah oui. Oh. Voilà. Il est plus compliqué à conduire. Wow, oh, non putain. Mais mec, je peux pas conduire ça. Mais il est incroyable. Non mais. Moi, ce sera avec plaisir. Je le conduis si tu veux. Attends, je suis à la place du pilote là. T'es rapide, si tu le plantes celui-là, je te laisse décoller et je t'explose au air. Je le tente ou pas? Attends, moi je vais quand même faire ma théorie du je reste dehors pour regarder. C'est pas tant de ouf, en plus je vais conduire de nuit. Vous êtes des fous. Tu le conduis et ensuite tu me dis si tout se passe bien, d'accord? Wouh. Ok, pour l'instant ça va. Fais un petit tour et reviens. Tu vas devoir te poser à l'ancienne. Comment on se stabilise? C'est horrible. Ok,
Ok, c'est bon. Ok, je monte. Aïe. Attention. Ok, je monte. C'est bon, je suis dedans. Décolle. On va où? Dis-moi où on va, je vais essayer d'y aller, mais c'est horrible. Mais bon, on va à l'airfield. À l'airfield. Ok, ça devrait aller. Toujours tout droit, on devrait tomber sur l'airfield. Alors, là, maintenant, c'est l'airfield. Là, l'airfield. Enfin, pose-toi au milieu de la piste, hein, écoute. Eh, on peut voir le maillot jaune en tête de gondole. T'inquiète donc pas que ça va être légendaire. Je sens que là, j'ai un contrôle total du véhicule. Pas du tout. Ouh. Putain, quel stress. Oh, un little bird. Ah, ma première grenade. Une fumigène. Super. Ah, ma deuxième grenade. Une fumigène. Je vois rien de bien dans l'airfield. Tu veux dire que c'est de la merde? Bah, je vois pas de hangar et de trucs super notables. Ce fou, il est en train de piloter. Ah bah, je suis à... Non, mais je vois mieux comme ça. Je suis à la tour de contrôle, je vais t'aider. On tire dessus. Ça va, je vais mourir. Ah oui, ça tire là. Je te vois aller loin à toute vitesse. C'est un véhicule qui est là-bas. C'est la police. C'est la police. Je reviens. Oh, Terra, j'ai trouvé un lance-roquette. Oh putain. Ne meurs pas. Ok, j'arrive. Mais mec, j'ai des roquettes, hein. Et là, on m'a tiré dessus, hein. Eh bah, on va aller les voir, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ok, sors de l'antenne, viens. Oh non, c'est le mauvais lance-roquette. Mais c'est eux qui m'ont tiré dessus là. Oh, c'est toi? Oh, c'est où que ça tire là? T'es devant un bâtiment là? Tu rentres dans un bâtiment? C'est qui? Non, 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 je rentre pas. Ok. Non, non, non. J'ai eu un grave accident de bus. C'est toi qui tire sur un hélico? Oui, je vais peut-être le regretter. Hein. C'est mes dernières balles. Qu'est-ce qu'il fait l'hélico là? Je viens avec toi parce que j'ai un peu peur. Je crois qu'il va me tirer dessus. Attends, il y a un mec qui me check à l'extérieur là. Ah oui, je vois aussi. Ah, je l'ai eu! Il est dead! Je suis un bandit maintenant! Voilà, c'est comme ça qu'on fait dans le Far West, la raquette assise, ne se laisse pas faire! Mais mec, j'ai tué quelqu'un dans le bus en fait! Dans le bus? Oui! À un moment, t'avais été arrêté. J'ai tué un mec! Merde! Je me fais tirer dessus! Oh, je suis dead! J'étais dans la tour de contrôle et j'ai pris un headshot. J'avais les lance-roquettes, tout! Tout! Y'a peut-être moyen de te faire TP sur moi? Ah, ce serait de la triche. Merci gros ton, tu gères! Attends, t'as une arme ici, là, dans le chauffeur du bus. Bon, il a un BK 18, c'est pas ouf, mais tu peux avoir des trucs. Pour aller chercher mes armes, ça ira. Ouah, ça tire. Y'a un mec à couvert dans le bâtiment qui tire. Monsieur, je veux juste récupérer mon stuff, je serai gentil. Après, je m'en vais. T'es où, toi? J'essaie de remonter dans la tour de contrôle. J'essaie de récupérer mon stuff. Oh... Oh non, ton stuff. Oh non. Est-ce que j'ai mérité de me faire... livrer quelque chose de gras et de passant. Bah t'as quand même tué le mec dans l'hélicoptère. Hein. Ouais, je mérite bien un burger, non? Tu mérites un tacos ou un gros cheese nan. Oh putain! Double steak, fromage. Oh. Ok, y'a un mec sur toi, là où il y a la smoke rose. C'est en haut de la tour de contrôle. Ouais, ouais, la tour là où t'étais. C'est quoi, je monte, hein? Je crois que je vais... Amène-le sur toi, si tu veux, je peux essayer de le shot. Comment ça, amène-le? Bah je sais pas, essaye de le convaincre d'aller là où il était. Hey, je propose qu'on discute. Sur le toit. Je viens en paix, je veux juste récupérer mon stuff. Je vais rentrer dans la salle, les mains en l'air, et on ira discuter sur le toit. Tu veux discuter? Bah je pensais que t'avais mes affaires, mais je suppose que tu les as pas récupérées. Ah non, non, pourquoi? Ah, parce qu'il y avait mes affaires ici, mais je crois qu'elles sont juste plus là. Ah, donc je t'avais bien tué? C'est toi que j'ai tué ici? Oh oui, oui, c'est moi. Attends, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, je te rends parce que... Ah, c'est gentil. Bah merci beaucoup. Bah de rien. Allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine, quand je t'en collerai une dans le cul. Il t'a redonné ou pas? Il m'a juste redonné un fusil. Là, en c'est fait. Toi qui est en haut là, qui arrête de bouger? Ouais, c'est moi là. Et lui, il est où? Il est dans la tour, soit il va sortir par le bas, soit... Ouais, je sais pas. Il y en a un, il va mourir là. Est-ce que je le termine? Oui. Je suis un putain de tueur en série. Bah vas-y, va récupérer, okay, c'est en bas. Va te servir. Alors, au-dessus de nous, ça faisait pas de bruit, mais ne regarde pas. Oh, des journalistes. Non, t'inquiète, c'est juste... c'est rien. Des journalistes. C'est rien. Ah, des journalopes. Ils font quoi, bof. BFM, au-dessus de nous, là? You are dead. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont lancé une grenade désert. Ça devait être des amis de ceux que j'ai tirés. Le mec s'est vengé en 2 minutes. J'avais même pas fini de le looter que j'étais déjà mort. Putain. C'est quoi, gros ton? Est-ce que tu peux nous montrer le truc le plus fun à faire là sur Days avec vos modes? Il y a des véhicules où on peut monter à l'arrière en fait, sans prendre de dégâts et tirer depuis les véhicules, des véhicules terrestres. On peut faire ça avec le bus aussi. Je sais pas si vous avez vu un bus sur le serveur depuis que vous êtes venu. Oui, j'ai tué le chauffeur. Ce que je vous propose, c'est de faire spawn les deux, vous deux contre d'autres personnes, puis tirer d'un véhicule à un autre en course-poursuite. Oh, bah ça me dit c'est bien, pas mec. Mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ou alors un RPG 7 qui tire depuis la Jeep sur le bus. Vous avez pas pu tirer au lance-roquette encore? Oh non, ça en a pas pu. Non, on était presque. Lance-roquette, ça me chauffe. Ah, par contre, ouais, putain, Théro, forcément, il s'est mis à poil. Oh là là. C'est genre le con de la bande. Ah, forcément, putain. Forcément, ce débile s'est mis à poil. Ah, le con.
Recharge-moi cette merde. Oh putain. Oh, ça fonctionne. Ça va être un tel plaisir d'exploser son putain de bus. Oh, il tire. Oh, le chien. Eh, attends, s'il me cherche, moi je vais tirer, hein, j'en ai rien à foutre. Ah, après, ça va être dur de viser, hein, je te cache pas. Je vais essayer de dépasser. Ouais, je vais faire un dépassement. Oh putain. Allez, connard, allez. Attends un peu, hein, attends. Putain, j'étais bien là, j'avais une droite. Attends, ça bouge. Oh putain, je me suis fait péter. Ah ouais, il faut une distance de ouf. Pourquoi j'ai pris l'instant pire là. Mais je sais pas si t'as réussi à les avoir au final. Ah si si si. Oh oui, je crois que tu l'as eu. C'est ouf parce que ça t'a explosé toi aussi. Ah ouais, j'étais loin. On aurait dit qu'en fait c'est comme s'il avait ricoché. Vous voulez tester le bateau amphibie? Ouais, chaud gros ton, pour finir. Arrête de l'insulter, il est sympa avec toi tout à l'heure. Ouais, grave chaud connard. Wow. Alors, ce bateau. Oh la vache. Ok. Tu vois Titanic devant. Mais c'est quoi ce bordel, putain? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est incroyable. Attention, mise à l'eau. Waouh. Il ressemble à rien du tout. C'est génial. Tout doux. Ouh. T'as tellement bien. Oh, y'a un mec qui te vomit dessus avec le vent. Ah, le bâtard. Y'a un truc qui a explosé. Oh, le rocher. Ah, il va casser le bousin. Putain, c'est le pire truc qui pouvait arriver. C'est vraiment de la merde. Ah bah, quelle chance, si on avait un deuxième vis juste ici. Ah, vas-y, conduis-le. Fais-nous un petit débarquement, là. Smooth. Oh putain. Ah, oui. Smooth. Il est parti en couille, je sais même pas pourquoi. Smooth. Franchement, mec, smooth. Je croyais que c'était parfait.